Oyo les amis, oyo et bienvenue sur la matinale du Kabuki. Ça y est, on est mardi 13 juin. Les semaines avancent, les vacances se rapprochent pour moi. Et on est ensemble dès le matin pour se faire plaisir. Un jeu un peu tranquille, Etrian Odyssey 2. On avait vu le premier volume de la compile Etrian Odyssey Origins. On avait vu ça vendredi dernier. Et on continue avec le 2. Et à midi, on fera le 3. Voilà, comme ça, on découvre toute la compile. Un gros merci à Atlus, voilà, qui sponsorise ce stream en nous envoyant la compile des 3 jeux la semaine dernière. Voilà, gros merci. On va découvrir, on va lancer une équipe, etc. Et puis on va voir ce que donne la suite de Etrian Odyssey. C'est parti, version HD bien sûr. On reste en mode normal comme d'habitude. Donc vous voyez que c'est les mêmes menus. Toute la compile reste assez cohérente hein, entre les 3 jeux. Sur le continent du Nord se trouve un grand duché que l'on nomme Olagard. La légende raconte que la cité de Lagard abrite l'Yggdrasil, véritable passerelle vers le château suspendu. Et un donjon labyrinthique a justement été découvert dans les entrailles de l'arbre. Tiens, comme par hasard. Le duc du Olagard a donc dépêché ses troupes dans ce labyrinthe pour percer le secret du château suspendu. De tout le pays des aventuriers accourent pour se mesurer à ces couloirs dans l'espoir de trouver le fameux château. Et pas un n'a réussi à dompter le labyrinthe et trouver le lieu dont parlent les légendes ancestrales. Faites partie de ces légions d'aventuriers désireuses de percer le secret du labyrinthe. Pour que gloire et fortune couronnent votre quête, il vous faudra trouver le château suspendu. La cité de la garde vous attend. Et le décor est planté donc. Tout autour de vous, alors que vous pénétrez dans la ville de la garde, règne une grande agitation où se mêlent cris et bavardages provenant de la place. Il semble que la ville soit bondée d'aventuriers. Puisque vous êtes vous-même ici pour vous faire un nom, vous devriez vous inscrire à la guilde des aventuriers. Mais d'abord, excusez ma curiosité concernant votre parcours. Avez-vous par hasard dirigé une autre guilde dans une autre ville ? Si oui, vous avez sûrement en votre possession un mot de passe, ou peut-être des données de sauvegarde. Remontant à cette époque, en souvenir de vos aventures. Ah, ça va peut-être reprendre notre équipe du 1. En choisissant d'utiliser le nom de votre ancienne guilde à Etria, vous pouvez accéder à Olagard. Si vous avez décidé de ce que vous allez faire, veuillez procéder. Alors, importer des données de sauvegarde, très bien. Aucune donnée claire trouvée. Mais on avait sauvegardé pourtant. Bon, bah tant pis. Hein. Peut-être qu'on n'était pas assez avancé dans le jeu. On va se refaire une petite guilde tranquille. Si vous voulez participer, n'hésitez pas à vous manifester. Et vous choisirez un personnage. C'est la première fois que je vous vois. J'imagine que vous êtes là pour explorer le labyrinthe. Je vois. Si vous voulez devenir un groupe d'exploration, vous devez d'abord créer une guilde. La guilde des aventuriers est un réseau de soutien et d'entraide pour les aventuriers. Voyons. Aujourd'hui, nous sommes le premier du mois d'Empereur. Voudriez-vous créer une guilde? Bah oui. C'est une sage décision. Inscrivez sur cette ligne le nom que vous souhaitez donner à votre guilde. J'ai une très longue liste d'aventuriers qui attendent la création d'une nouvelle guilde. Alors, on avait déjà mis Guac, mais si un jour je veux récupérer les sauvegardes de la première, on va l'appeler... Comment on va l'appeler cette guilde du coup? La guilde... La guilde Kabuk. C'est parti. Kabuk, alors, c'est original et ça sonne bien. Ça vient d'une langue étrangère, non? Bon, il est temps pour vous de recruter des aventuriers pour votre guilde. Rien ne vous en empêche de vous inscrire en tant que membre de la guilde, bien sûr. Mais il y a une règle que vous devez connaître. Les guildes de la garde ne peuvent pas excéder 30 membres.
Ah, on a un peu plus de jobs que dans le premier. Alors, les rônes, un maître provenant de contrées étrangères et maîtrisant toutes les formes de combat. Compétence de boost Isen. Un seul coup tranche tous les ennemis en deux. Combattant orgueilleux et exigeant d'être sur la ligne de front. Allez. On va prendre le vieux. Ok. Inscription terminée. Oui. Ensuite, on va prendre un pistolet alors. Une pistolero d'ailleurs. Et on va l'appeler Kiminodou. Il supporte la chaîne depuis presque le début. Confirmé. Et Minodou, c'est bon. On va prendre un autre personnage. Si vous êtes dans le chat, même en l'heure, et que vous voulez vous manifester, n'hésitez pas à choisir un perso. Ah, Rayleigh, je pensais à toi en plus. Qu'est-ce que tu veux, Rayleigh? On a plus de choc d'habitude. J'ai pris un Ronin pour Kabuki, un pistolero, une pistolero pour Kimi. Je suis en lurk. Pas de soucis, Rayleigh. Juste si tu veux me dire un job et puis après je me démerde. Mage guerrier, on l'avait pas la dernière fois. Envoûteur non plus. Guérisseur, ok. Alors normalement on peut récupérer l'ancienne guilde, mais là je pense qu'on n'était pas assez avancé dans le jeu. Mais ça a été évoqué. Et le 3, hey, j'avoue, il est stylé. Hein, tu es arrivé au bon moment, Rayleigh. Ben bon lurk, hein, si tu es au taf ou si tu te réveilles. Rayleigh, hop. Et on va mettre un quatrième personnage. Donc on a quoi? Ah bah Gunther arrive, ah bah voilà. Gunther, qu'est-ce que tu veux? Tu as grave le choix. Guérisseur a été pris, Ronin a été pris, Pistolero a été pris. T'as juste à dire un job, je fais le reste. Et bon courage dans le pays du tête dans le cul, mon petit Gunther. Guérisseur, on a déjà un guérisseur. Qu'est-ce qui pourrait aller le mieux? T'avais déjà pris alchimiste, mage guerrier, ça te va? Non, envoûteur peut-être. Protecteur, allez. 1, 2, 3, 4, 5. Et après, je te laisse tranquille. Ok. Ah j'avoue. Bonne tête de protecteur. Et on va l'appeler Gugun. Gugun, ça passe? Ouais. Allez, c'est parti. Bon, si c'est comme dans le premier, 5 persos suffisent. Il faut les inscrire après. Organisation, non. Formation. Alors, pourquoi j'en ai que 4? Ah oui, il m'en faut un cinquième, je suis bête. Alors, on va mettre une fille. Il nous faut quand même l'Anskene. Et on va l'appeler Sonia.
Bah sinon ça va la forme, ouais, pour depuis longtemps une nuit complète sans me réveiller. Ça c'est cool. Voilà Sonia, pour remercier notre vieweuse historique, un petit peu comme Timmy. Sinon oui la forme, beaucoup de boulot là, il me reste 3 semaines avant les vacances et ça va être 3 semaines de dinguerie et ça va continuer quand je vais rentrer. Il faudra bien que j'en profite. Mais sinon ça va les journées passent. J'ai fini Zelda Gunter, je l'ai fini hier. Résultat des courses, bon j'ai que 200 noix, il faut savoir que les noix ça pèse. Hein. Mais je suis quand même à 57% en 235 heures. 57% du game. Alors je sais qu'il y a plein de missions que j'ai pas fait. Quête secondaire, je pense que je suis clean, mais à vérifier. Et puis la fin, ouais. La fin est costaud. La fin est costaud, très 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 bon. Alors, je crois que c'est Kimi qui voulait être en ligne de front. Après, on a Gugun. Et derrière, on va mettre Sonia et Rayleigh. Et on confirme, c'est le groupe souhaité. Vos formulaires semblent en règle. Félicitations, vous êtes maintenant une guilde officielle. Ouais, du coup, j'avais ce petit poids de ne pas finir l'histoire. Donc, j'étais toujours partagé entre finir l'histoire et faire le pimpin dans la forêt, les plaines et tout ça. Maintenant que j'ai fini l'histoire, je vais pouvoir maintenant bien continuer à faire le pimpin et puis commencer à aller vers d'autres jeux. Donc, c'est cool. C'est cool et ça a mis ben, un petit mois. Il est sorti il y a un mois pile, Zelda. Donc, j'ai fini hier soir. Ouais, 30 jours. Ça m'a bien bien occupé, bien plongé dans un univers quand même assez ouf. Et puis le fait qu'il y ait encore plein de choses à faire, ben ça, on n'a pas la dépression post-game comme on peut avoir avec d'autres jeux. Vous pouvez vous reposer ou stocker des choses là-bas, mais avant tout, vous devez vous rendre au palais ducal. Ce sera tout, au revoir. Les pinoches, la factory, la factorerie, l'hôpital. Alors, on sait qu'il nous faut des potions, nous. Hein. Puis-je vous aider? Êtes-vous malade? Souffrez-vous d'une blessure? Oh, c'est la première fois que vous venez ici. Voici l'hôpital de la garde. Nous soignons les aventuriers. Ah là, c'est Louis qui aurait été déçu parce qu'il s'attendait à une infirmière, en fait. Moi, si je finis, j'ai la dépression car j'ai testé revenir sur une save avant combat final. Ah! Bah, de toute façon, elle est comptée, ta save, il y a la petite étoile, hein, comme dans le premier. Nous travaillons également en étroite collaboration avec la Factory Cito pour la livraison des remèdes. Et autres fournitures, j'ai hâte de travailler avec vous. Résurrection parlait, donc du coup, il faut aller à la factorerie. Bienvenue, oh, pardonnez-moi, je ne crois pas qu'on se connaisse. Vous êtes dans la boutique de mon père. Il fabrique de l'équipement à l'arrière et je le vends ici. Je ne suis qu'une assistante, mais je travaille tout le temps. Ne m'oubliez pas. Vous pouvez vendre les objets que vous trouvez dans le labyrinthe et ensuite acheter les produits que nous fabriquons grâce à eux. Lors de l'achat, les membres de votre groupe s'affichent. Vous pouvez passer d'un personnage à l'autre à l'aide du bouton L ou R. Lors de l'achat d'armes, appuyez sur le bouton ZL ou ZR pour changer de type d'arme. De plus, selon l'écran sur lequel vous vous trouvez, une commande s'affichera pour vous indiquer la marche à suivre. Chaque fonction est utile, alors essayez d'en faire bon usage. Acheter, on a 500 boules. Alors, ouais, peut-être des armures pour changer. Donc le Ronin, lui, il aime le tweed, mais il y a déjà. On peut lui mettre un petit bouclier. Ah, l'objet est déjà équipé. Ah oui, ils sont déjà équipés. Pistolero. On va augmenter sa défense. On peut même lui mettre des bottes. Le Ronin, on va lui mettre des bottes aussi. Ensuite, protecteur, Gugunt. Un bouclier et des bottes.
Sonia, pareil. Si on a cette thune, ouais, bouclier, ça passe. Et les bottes, ça passe. Et Rayleigh, bah, il restera à poil. De toute façon, c'est un guérisseur. Parce qu'on va garder de la thune pour le médica. On va en prendre 3. Voilà. Ok, on est bon et on va aller au palais du duc. Regardez un peu les confs. Bah, de loin, Gunther, de loin. Vraiment, ce qui m'a. Je pense qui a le plus fonctionné, ça a été la Xbox. La Xbox, Capcom. Capcom, voilà, ils ont fait un truc cool pour les fans de. Même si c'est encore de la vieille recette de vieux pot. Ils ont fait un truc cool pour les fans d'Ace Attorney européens, on va dire. Mais sinon, ouais, voilà. Ubi, j'ai pas trouvé, je sais pas. Ubi, ouais. J'ai regardé, j'ai pas tout regardé non plus. Hein. Je suis tout allé voir chez Data. Mais en parallèle, soit je devais bouffer, soit je jouais à Zelda, soit. Donc j'avais pas forcément le son. J'ai pas tout vu. Après, j'ai regardé ce qui popait sur Switch, il y a quelques trucs. C'est pas non plus la dinguerie. Hein. Voilà, Atlus qui met la max pour Xbox. D'ailleurs, un petit partenariat derrière, je pense. Et j'ai vu les gens jouer à la démo d'FF16 aussi. Hier. Bienvenue dans le Grand-Duché du Haut-Lagarde. Ceci est le palais du duc en personne. Je suis le ministre du Bois, fidèle serviteur du duc. Mes fonctions vont de la gestion des citoyens à la supervision de l'exploration du labyrinthe. Comme je peux le constater, vous êtes encore un groupe d'exploration qui espère connaître la gloire dans la forêt. Cependant, seuls les citoyens officiels de la garde ont le droit d'aller au-delà du premier étage du labyrinthe. Alors, j'aime pas FF16. Ouais, moi non plus, hein, je regarde comme ça de loin, mais il y a longtemps que je suis détaché des FF, hein, depuis 10 FF du coup. Et sinon, qu'est-ce que j'allais dire? Je sais plus. Je ne sais plus. J'allais dire un truc important. Dommage. Vous devez passer un test que nous avons conçu afin d'enregistrer les nouveaux arrivants en tant que citoyens. Acceptez-vous cette mission? Oui. Ravi de voir que nous sommes d'accord. Notre objectif commun est bien entendu de vous faire progresser. Vous savez, c'est le souhait du duc de voir le labyrinthe exploré de fond en comble. Mais notre cible reste le château suspendu. Peut-être n'est-ce qu'un mythe. Mais nous voulons en avoir le cœur net. Et après tout, pour chasser un mythe, n'est-ce pas la raison d'être un aventurier? Si vous découvrez le château suspendu, soyez assuré que la récompense sera faramineuse. Il se pourrait même que vous soyez anobli. Mais je m'égare. Commencez par accomplir cette mission afin de prouver votre valeur au Grand-Duché. Vous avez la possibilité d'entreprendre des tâches qui répondent au nom de mission. En les acceptant et en les menant à bien, vous obtiendrez diverses récompenses. Pour démarrer une mission, choisissez accepter les missions et consultez les descriptions en bas de l'écran. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le père Gunther? Pour Zelda, je vais vraiment prendre mon temps. Hier, je m'y suis remis. Je kiffe trop prendre tout mon temps quand je suis dedans. Ben, moi, c'est pareil. J'ai pris tout mon temps. J'ai pris tout mon temps. Tout mon temps, quand même 235 heures. Je pense que j'ai pris pas mal mon temps. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est explorer vraiment tous les recoins de la map. Comme j'avais déjà commencé à le faire, hein, tu t'en doutes, avec autant d'heures. Et ce qui est marrant, ce qui est fou, c'est que je découvre toujours des nouveaux endroits, des petits trucs cachés. Des fois, je me dis, tiens, je vais aller voir là, sous le pont, hop, un Korogu, tout ça. Je commence à faire aussi des constructions un peu plus délire. Donc cool. Vraiment, je pense que justement, si je vais pouvoir le finir vraiment en douceur, y revenir de temps en temps, tout ça, ça va être cool, hein. Vraiment, gros taf sur ce Zelda. Alors, vous devez obtenir la citoyenneté en Haut-Lagarde avant de commencer votre voyage. Entrez dans le labyrinthe et créez une carte du premier étage. Bon, c'est comme dans le 1. Alors, on s'était arrêté avant, malheureusement, mais c'est vrai qu'on avait pris beaucoup de temps à faire les teams. La team. Et puis, je m'étais fait démonter aussi. Allez, on y va. Tac. Donc, il faut faire la carte du premier étage pour pouvoir être déclaré citoyen. Hey, cette Burnett, comment tu vas? La forme?
Sinon, pour le programme de la journée, donc on se fait Etrian Odyssey 2 ce matin. À midi, on fait Etrian Odyssey 3. Comme ça, on aura bouclé la découverte de Etrian Odyssey Origins, la compile qui est sortie maintenant il y a une semaine et demie. Et à 17h30, coucou Kimi, tu es dans la team, tu vas voir. Je t'ai fait une jolie pistolero. Je disais oui, ce soir 17h30, venez. On se fait Dordogne, un jeu 100% français. Tout dessiné à la main, en aquarelle, c'est magnifique. Ça joue sur la nostalgie, c'est l'histoire d'une femme qui retourne dans la maison de sa grand-mère qui est décédée. Et qui retrouve en fait ses souvenirs de nostalgiques de jeunesse où elle avait passé, alors je sais pas, un été je pense, chez sa mamie. Voilà, donc c'est vraiment hyper cool. C'est vraiment, voilà, très nostalgique. Le petit caractère de la petite fille qui est pas trop contente que ses parents l'aient laissé là pour l'été, qui se dit clairement je vais me faire chier. Et je pense qu'en fait on va découvrir au fur et à mesure de l'histoire qu'à la fin elle voudra plus partir de là. Classique. Et merci Johan Chiptune. On kiffe la Chiptune en plus ici. Merci pour ton follow. Et coucou Kimi du coup. Alors Kimi, est-ce que je peux te montrer quand même, vite fait. Formation. Non, parce qu'après ils vont nous remettre. Organisation. Kimi Nodou. Repos, renvoi, modifier l'équipement, modifier l'apparence, renommer, non. Kimi Nodou, modifier l'apparence, voilà. Pas mal, non? Sinon, je pouvais te mettre comme ça aussi. Comme ça ou comme ça. Tu peux choisir si tu veux. Mais je trouvais que ça t'allait bien. Allez, on la garde. Du coup, on va partir en mission. Entrer dans la forêt. Que les dragons soient. Alors, utiliser le pilier géomagnétique. Retourner en ville. Oui, pour ceux qui n'étaient pas là au début, on peut récupérer la team du 1, en fait. Sauf que ça n'a pas trouvé la sauvegarde. Je pense qu'on n'était pas allé assez loin dans le premier live. Mais normalement, on peut garder sa guilde de jeu en jeu. Ça, c'est cool. Alors, premier étage, forêt séculaire. Vous allez démarrer dans la strate choisie. Pénétrer dans le labyrinthe? Oui. J'ai regardé quelques conférences, Seb, comme je disais à Gunther, mais de loin. J'ai surtout regardé le récap de ce qui allait popper sur Switch. Et j'ai quand même remarqué que les Xboxers ont eu quand même un beau Xbox Direct pour une fois. Voilà, ça va faire un petit peu taire tous ceux qui disaient qu'il n'y avait rien sur la Xbox. Parce que là, ils ont fait des partenariats de ouf. Ils ont proposé, je pense, du lourd. Pour ceux qui ont une Xbox, bien sûr. Moi, je regarde ça de loin toujours. Hein. Avec ma Switch. Merci Pompon, c'est toi le boss. Pour ton 6e mois d'abonnement, mais ça passe vite, c'est une folie. Quoi. Une folie. Alors on se déplace avec la croix et les Joy, c'est pour la carte. Atlus Xbox, ils sont devenus copains. J'avoue que Atlus, là, ils ont vraiment privilégié Microsoft parce qu'il y a quand même des gros trucs qui sont prévus. Alors après, les fans sont un peu déçus pour Persona 3 hein, parce que c'est la toute première version et voilà, du coup il n'y a pas tous les ajouts qu'il y a eu par la suite sur P3. Et ouais, non mais je comprends les fans là, franchement t'as vendu un jeu, les gens ont kiffé, tu leur as revendu un jeu avec de l'amélio. Après tu leur as revendu avec un autre personnage, et maintenant tu fais un remake avec le moteur P5. Le truc c'est la max, et tu leur remets la première version. C'est comme si, je sais pas moi, dans 10 ans, sur le 8K ou le 16K, hein, on a des consoles 16K, avec on a du casque VR, tout ça, truc de dingue et tout, et les gars ils te ressemblent Persona 5. Tu vois, mais pas le Royal.
C'est moche. Qu'est-ce qui empêchait de... Quitte à tout refaire avec un moteur graphique, tu vois. Ah, je sais pas. Le soleil abonde sur les feuillages verts et luxuriants. Du coup, ben, moi, je suis bien avec mon remake sur Switch, parce que finalement... Alors, c'est pas la complète, mais c'est la version avec la meuf. Donc même là, tu vois, sur Switch, ils n'étaient pas allés jusqu'au bout. Mais là, on fait quand même un truc, un pas en arrière, quoi. Le soleil abonde sur les feuillages verts et luxuriants des arbres qui vous surplombent. Tu vas prendre le nouveau Story of Season, Kabou? Je t'avoue que je me tâte, Kimi. Je me tâte. En plus, j'ai déjà donné de la thune à Marvelous. Hein, je leur ai déjà pris Loop 8. Et Story of Season, je sais pas. Il y a quelques mois, je t'aurais dit ouais à fond et tout, mais là, je trouve que ça commence à faire vraiment de la vieille soupe, quoi. Donc, je me tâte. On verra. Peut-être que s'il n'y a rien dans cette fenêtre de tir, mais il y a quand même Raincode fin du mois. Hein. Ça, je l'attends avec impatience. Et d'ailleurs, on se déballera le collector. Il est possible que vendredi aussi, je ne l'ai pas mis dans le planning, mais il est possible qu'on se regarde le guide. Tears of the Kingdom, puisqu'il sort vendredi. En général, c'est des beaux ouvrages avec des belles illustrations, etc. Quand j'aurai rattrapé le virus de la ferme, il y a d'autres trucs de ferme qui vont popper, Kimi. Et puis, je te dis, il y a Loop 8 qu'il faut que je fasse. Après, il y a Raincode qui enchaîne. Donc, peut-être au mois d'août, je sais pas, on va voir. Peut-être que je vous dis ça et puis on se fera un stream Day One. Hein. Du coup, j'espère que j'ai répondu à ta question, Seb. Alors, c'est quoi les jeux que t'as aimés? Cette forêt labyrinthique vit dans les entrailles d'Yggdrasil, l'arbre qui veille sur la ville de Lagarde. Soudain, un garde vient vous interrompre dans votre contemplation. Donc, il va nous demander de faire la carte, hein, évidemment. Le Grand-Duché m'avertit de l'imminence de votre venue. Bienvenue dans le labyrinthe d'Yggdrasil. Ah, j'étais sûr qu'il y avait Star Wars, Seb, je sais pas pourquoi. Et Toxic Commando, j'ai pas vu ce que c'était du coup. En dépit de sa politesse, la posture du garde laisse penser qu'il cherche à vous bloquer le passage. Je fais partie de la garde du Grand-Duché. Nous assistons les aventuriers tels que vous dans leur mission. Le garde vous toise de haut en bas avant de reprendre son explication. Ne tournons pas autour du pot plus longtemps et lançons votre épreuve pour devenir citoyen de la garde. La tâche est on ne peut plus simple. Je vous amène dans une zone donnée du labyrinthe. À partir de là, tout ce que vous avez à faire, c'est de retrouver le chemin de l'entrée. Le garde tourne alors les talons et commence à s'avancer avant de vous demander de bien vouloir le suivre. Venez avec moi, voici le grand commencement de vos aventures dans le labyrinthe d'Yggdrasil. La garde vous mène dans les profondeurs de cette forêt inconnue. Après de nombreux virages et détours, vous n'avez plus la moindre idée de l'endroit où vous vous trouvez. Le garde décide alors de marquer une halte. Et Kimi, le virus de la ferme, je l'ai toujours avec Harvestella, que j'ai pas repris, donc j'avais mis en pause avec l'arrivée de Zelda. Donc il va falloir aussi que je continue de le poncer. Parce que je dois être qu'à la moitié du jeu là, donc. Ça devrait suffire. Ce serait le point de départ de votre mission. Le garde, voyant vos mines angoissées, vous sourit et lâche même quelques mots d'encouragement. Ce n'est pas aussi terrible que ça, hein, en allez. Passez une carte et vous retrouverez votre chemin sans souci. Il pointe du doigt le parchemin flambant neuf que vous tenez vigoureusement dans vos mains tremblantes. Ils ont vraiment mis la max sur la petite description quand même, la narration. Vous savez quoi? Je vais vous donner une rapide leçon de cartographie. Revoir les commandes de traçage? Non, on va le faire à la Sganaway. Dans ce cas, assez bavardé. Je vous attendrai devant l'entrée qui mène à la ville. Et j'espère que vous aurez une jolie carte de la zone à me montrer quand vous reviendrez. Le garde s'éloigne puis se retourne soudainement vers vous. Oh, j'allais oublier. Quelques bricoles pour nos aventuriers en herbe. Et merci iBlackout76 pour ton follow. Merci beaucoup. Installe-toi. C'est la matinale, tranquillou. C'est cool ça.
Merci pour les follow, les amis. Et tu es déjà sur l'overlay, magnifique. Toxic Commando, c'est John Carpenter aux commandes. Ah oui, j'ai entendu parler de ça, ouais. Ok. Ouais, peut-être que je l'ai vu du coin de l'œil alors. Pendant que j'étais en train de me faire mon petit Zelda. On n'est jamais trop prudent. Il furette dans son sac et sort un petit stock de remèdes et de soins pour votre groupe. Ah! Yo Emo TV, comment il va? Emo TV qui était sur le live de Data hier, en voix off pour la conférence Ubi. Vous pouvez aller voir la rediff, je pense, chez Data d'ailleurs. Donc il nous donne du Medica, magnifique. Ah ouais, il nous en donne plein. Bah écoute, ça va bien, Emo, et toi? La forme? Remis de tes 10 heures de stream hier et plus même parce qu'après il y a eu chez Data. La forêt s'est montrée plus dangereuse qu'il y paraît. Restez sur vos gardes en toutes circonstances. L'avertissement glacial du garde résonne contre le métal de son armure tandis qu'il s'éloigne. Ah non, ça m'intéresse pas spécialement, mais bon. En avant, c'est le début d'une grande aventure. Emo TV, toujours sans filtre. On le reconnaît bien là. Il y a une dernière chose que je dois vous préciser avant de vous laisser voler de vos propres ailes. L'aventure étant une seconde nature pour vous, vous devriez avoir 3 points de compétences à disposition afin de les dépenser sur des compétences utiles dans ce labyrinthe. Ouvrez le menu principal. Bon, ça c'est pareil, hein. C'est exactement la même chose que le premier. Voilà, donc on passe. Bah, je suis pas une hôte de gazinière. Pourquoi j'aurais un filtre? Franchement, tu m'as dit qu'hier j'avais fait une blague pourrie, mais celle-là, elle est quand même assez costaud. Alors, objet, compétence, je crois que c'était. Hein. Non, c'était pas compétence. Ils ont dû nous le dire, mais j'ai avancé. Statut. Personnaliser, ouais, c'est ça. Donc dans personnaliser, on peut utiliser nos points de compétences. C'est magnifique. Donc 3 points pour chaque perso. On va mettre du PV, du Issenon, de la garde haute, hop, et de la force. Ensuite, pour Kiminodu, la pistolero. Fusil anti-meute. Elle a déjà appris cette compétence. Maîtrise du pistolet. Allez, on va tout mettre dans le pistolet. Tout mettre dans le pistolet pour Kimi. Gugunt, le protecteur. Maîtrise du bouclier. Il peut faire garde arrière. De la technique. Restaurer maintenant disponible. Et du PV. Sonia, qui est lance-quenet. Alors, maîtrise de l'épée, bien sûr. Maintenant, coup près est disponible. Elle n'a pas de hache. On va lui mettre du PT. Allez. Non, c'est pas du tout un tactical. C'est un dungeon crawler. Alors, Rayleigh, le guérisseur. On va le faire soigner à mort. Voilà, comme ça on a restauré, voilà, très bien. Et le Kabuki, c'est bon. Allez, hop. Fais-moi ton meilleur vendeur, là. Bah écoute, ce sont des jeux qui étaient sur 3DS, donc c'est pour ça que tu as l'écran coupé en deux. Dungeon Crawler, où tu dois te sortir d'un... Tu dois sortir d'un labyrinthe dans ce jeu-là, dans le 2, pour atteindre un château volant. Voilà, aucun aventurier n'y est arrivé. Bah tu te balades, tu fight et tu dessines des petites cartes, voilà. Donc tu le fais normalement à l'écran tactile, mais là, vu qu'on est sur Switch... En docké, eh ben on le fait avec la manette. Et pour finir, ben c'est tout été refait en HD. Les musiques sont cool. C'est un jeu Sega Atlus. Voilà, que dire de plus. Donc toujours dans le premier niveau, tu dois trouver la sortie et faire la carte.
Qu'avons-nous là? Ouvrir. Vous trouvez une grosse boîte lors de votre exploration. Oui, c'est un portage HD que compile. Et regarde, si j'enlève ma cam, il y a des DLC qui pop à 3 balles. Et je crois que si on achète le jeu encore jusqu'à aujourd'hui, on les a à l'œil. Il y a des DLC avec des skins de personnages Atlus. Du coup, là, on aura... sur le 1, il y a Joker et Soul Hackers 2. Et puis pour le 2 et le 3, pareil, il y a d'autres persos. Et aussi, tu peux garder ta team de jeu en jeu sur la compil HD. Voilà, pour le petit truc cool. Alors, est-ce qu'on ouvre cette boîte de Pandore? Il y a un trèfle dessus, elle est dorée, tout ça. Moi, j'ai envie de l'ouvrir. Hein. À plus tard, Kimi, merci d'être passé. Et j'espère que tu nous porteras chance dans le jeu. Avec le personnage qu'on a mis dans la team. Ah oui, du coup, ce qui est bien là, c'est de mettre qu'on a un cul-de-sac. Sauf que là, bah, on a des ennemis. Alors, c'est parti. Le Kabuki. Il tape. Kimi. Un petit coup de pistolet. Guntos. On va faire attaquer tout le monde. Hein. Wow, on prend cher là, direct là. Ah, le Kabuki est déjà à la fin de sa life. Ah oui, puis tu peux mettre des persos en front et d'autres persos en retrait et mort. Donc c'est important suivant leur job. Il va déjà falloir soigner du monde là. Et bien sûr, c'est RPG, donc tu gagnes de l'XP, tout ça, il y a une histoire. Une boutique. Les matériaux que tu ramasses, les ressources que tu ramasses, tu les amènes à la boutique et après ils construisent des trucs avec. Voilà, donc du coup tu fais des ups comme ça aussi. Là tu en as chopé une aiguille à rat. Alors il faut que j'arrive quand même. Du coup, si je veux dessiner là, la boîte a déjà dévidé. Ah oui, donc ça c'est. Ah, mais moi je veux. Ah oui, ZL. Donc ZR, ZL. Hop. Et là, je voulais à l'intérieur mettre une petite croix, mais bon. ZR. Il faut que je fasse attention parce que la croix, c'est pour se déplacer. C'est d'elle pour peindre. Ouais. Mais là, je voulais mettre un petit logo. Non. On va trouver. Il me semblait qu'on pouvait le faire dans le 1, alors peut-être pas dans le 2. Comme je découvre le jeu avec vous. Ça c'est X. Peut-être avec Y. Non, B. Bon. On verra plus tard. Principal, ouvrir plein. Icône, voilà, pardon. On va y arriver. Icône. Et on va mettre la petite croix. Ah non, c'est ZL, voilà. Et là, on fait ZR. Faut se faire au bouton, hein. Après, ça va mieux. Ok, comme ça on sait qu'on a un cul-de-sac.
Et on a un nouveau combat et je me suis pas soigné. Objet médica, voilà, sur le Kabuki. Peut-être sur Gugunt aussi. Changement, fuite, boost, compétence, pour l'instant on peut pas. Il me semblait que j'avais donné un médicament à le Kabuki, c'est bizarre. Ah oui, voilà, ça arrive un peu tard. Et c'est Sonia qui finit la taupe. Oh, ça nous fera plein de trucs à revendre. Alors, je vais essayer de maîtriser un peu plus. Je fais plus. Je choisis la croix. ZR. Je vais là et je fais... Voilà, et après je refais plus. Et je peux repartir. Là, bah, c'est la même du coup. On a une ligne droite et un combat. Allez, on fait taper tout le monde. Ah, ils augmentent leur défense, ces enfoirés. On va soigner Kimi et après on attaque. Raté carrément. Kimi qui rate. Gugunt attaque. Kabuki aussi. C'est bon, on est arrivé au bout. On a trouvé un éclat de coquille. Alors là, c'est cul-de-sac aussi. Plus ZR. Non, plus ZL. En plus, on va sur le truc. On fait ZR. On le déplace, ZL. Voilà. Et on refait plus. Pour l'instant, je m'occupe juste de mettre les cul-de-sac. Ça me permet de maîtriser les boutons. Oh, un nouveau combat. Je sens qu'il va être chaud celui-là. Là, qui nous fait un petit weeb. On est sur Etrian Odyssey 2, copain.
Oula, Sonia, elle commence à prendre cher. Faut quand même qu'on attaque. Nectar, médicament de vie obtenu par ébullition d'une fleur piquante ressuscite avec un peu de PV. Bon, ça pourra nous servir. Ah, il nous reste plus qu'un médica, c'est chaud ça. Comment il va, Louis? Mort de rire, t'avais jamais vu que Nightbot il décrit le web? Moi ça va, sans pression, oui, beaucoup de taf et puis des streams, pas mal de streams aujourd'hui, hein, donc ce matin, ce midi on fait Etrian Odyssey 3 et 17h30, 19h30 on se fait Dordogne, mais je crois que ça tombe pendant la nif de Lazaretto ou pas? Ah, je sais pas. Ouais, sinon, on lui fera un raid à la fin. Hein. La nif de sa chaîne. Ah, c'est le 22. Bon, ça, mais je crois qu'il fait un stream aujourd'hui. Comme j'ai pas l'habitude de streamer en fin de journée, il est possible que je tombe en même temps qu'un copain. Mais il faut qu'on voit Dordogne. Hein. Dordogne, d'ailleurs, qui est un jeu cher au cœur de Lazaretto, puisque... il connaît des gens qui ont bossé dessus. En marchant, vous atteignez une clairière remplie de fleurs. Et il va faire la démo ou il va cracher sur le jeu qui va payer une blinde? C'est pas le même genre de stream, vous voyez? Ces végétaux inconnus sont bercés par le vent et vous finissez par sentir leur odeur. Vous hésitez en vous demandant si vous devriez rester pour profiter de leur arôme. Ou si vous feriez mieux de partir. On va se reposer. Vous décidez de profiter du cadre pour vous reposer, pour reposer vos corps usés par vos pérégrinations dans le labyrinthe. On profite de leurs arômes, ouais, mais je pense que c'est pas bon, c'est poison. Le parfum des fleurs qui embaume la zone et la légère brise vous font presque oublier le danger ambiant. Cette pause aura été des plus revigorantes. Vous vous sentez à nouveau rempli d'énergie. Ah, c'est cool, ça. Ça s'annonce pour cracher sur le jeu qui va payer une blinde. Bah, c'est plus rigolo, en fait. Il est dans son bon droit, j'ai envie de dire. Le groupe a récupéré 10 PV et 10 PT. Par contre, si t'achètes un jeu et que tu sais d'avance que tu vas cracher dessus, dur, quand même. Les jambes légères, vous reprenez votre exploration de la forêt. Mais bon, c'est ça, la maladie, hein. Il a toujours espoir que, tu vois, que ce soit un bon jeu. Selon lui, bien sûr. Alors, je fais plus. Je fais ZL. Non, je fais plus. Je fais ZL. Non, ZR? Ils veulent pas? Non. On recommence. Je fais plus. Je suis sur les icônes. Voilà, je choisis l'icône. Je fais ZR, je vais à l'endroit... Non, pas avec la croix. Je fais ZL, et voilà. Et après, je refais plus et je me déplace. On devait pas... Oui, on venait de la porte. Oula, c'est quoi ce truc-là? Par contre, Sixis se garde vierge de toute influence. Il aura le jeu Day One, il le stream dès qu'il reçoit. Mais attendez, les amis, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui le FF16, non? Coucou Augustin, ben le plus beau il va bien, aussi bien que va le plus ancien des anciens. J'ai nommé Augustin, et là on se retrouve devant un gros verre dégueulasse. Et on va lui tatanaouer la gueule. Alors c'est bizarre parce que Gugunt, ouais, il en a pris une d'entrée de jeu en fait. Genre le verre avait l'initiative quoi. Ah bon c'est pas... Ah oui c'est le même jour. Ah ben je pensais qu'il sortait la démo un jour avant le jeu, je trouvais ça bizarre aussi. Ouais, la démo, j'ai déjà vu deux personnes y jouer. Mais pas en entier, en fait. Je suis arrivé à des moments différents. Je suis arrivé sur la fin de la démo avec Karaté. Et je crois que j'avais vu Linka y jouer. Je crois.
Oula, le kabuki prend cher. Et on n'a plus d'objet. Bon, bah voilà. Quoi que si, on a un objet pour ressusciter. Non, c'est peut-être un pouvoir. Il me semblait qu'on avait nectar. Bon, on va le finir, là, de toute façon. Ah, moi, je me spoil pas la démo. Je garde la découverte pour le stream de 6-6. Ah ouais, bah, je t'avoue que vu que j'ai pas pris la démo depuis le début... J'ai juste vu une méchante, apparemment, qui a l'air très méchante. Bah ouais, il est très bien, ce train. Je pense qu'en fait, Sigma, il faisait le rageux parce que ça coûte cher quand même. La compile, elle a 80 boules. Et que lui, il l'a sur DS. Et il dit, voilà, par rapport au taf de la DS, mettre autant. En même temps, je me dis, quand tu refais un jeu en HD, c'est pas pour le vendre 10 balles, quoi. Donc voilà. Les avis sont partagés. Je sais pas pourquoi, dès que je suis sur la map, comme c'est des petits carrés, j'ai envie d'utiliser la croix directionnelle. C'est comme ça. On ne se refait pas. C'est le cul-de-sac assuré. Là. Sigma, il est toxique. Non, je pense qu'il est encore plus extrémiste que moi. C'est-à-dire que moi, je peux être un petit peu extrémiste, je l'avoue, sur Nintendo en général. Mais lui, c'est vraiment 3DS. Quoi. L'intransigeance. Et oui, c'est ça. Nous, c'est l'amour, le guac, l'amour gagne toujours à la fin. Tout à fait. C'est les promos qui nous ont saboté nos cerveaux. On ne se rend plus compte des prix des jeux. Ben oui, enfin, je sais pas, quand tu regardes les crédits, tu vois qu'il y a quand même une équipe qui a bossé sur le jeu et tout, faut payer les gens, quoi. Là, les gars, ils sont pas là pour faire des jeux, pour faire plaisir aux joueurs. Ah, mais c'est un cul-de-sac après cette porte, là. Je ne peux aller nulle part. C'était un piège. Je pensais que j'étais tiré d'affaire, moi, 8h23. Voilà, à mon avis, le Kabuki va y passer. Gaster au bois a augmenté sa défense. Bon, après, moi, je suis un peu plus... un peu moins objectif, hein, j'avoue, parce que je n'ai pas mis 80 balles dedans. Donc, mais franchement, il est beau, il est agréable, il est en français. Ça se joue bien. Non, franchement, petit kiff, hein, cette compile, pour moi. Et puis ils ont gardé une cohérence entre les trois compiles, donc même menu, tout ça, tu peux récupérer ta team, c'est vraiment cool. Hein. Bon, on va encore monter l'XP là. Ah, niveau suivant, est-ce qu'on récupère de la life? J'ai pas l'impression. Oui, puis il y aura des promos. Tu as tout à fait raison, Louis. Alors là, on va essayer de dire qu'il y a une porte, les amis. Plus. Je sais pas, la différence. Ah, une porte, c'est ça, une porte. Voilà. Ah, on commence à avoir une belle carte. Que des numéros 10 dans la team, c'est ça, B2O, tout à fait. Ça cite B2O.
la piraterie n'est jamais finie, etc. Donc là, on sait qu'il y a un cul-de-sac. Là aussi, du coup. Alors, là aussi, hop. Et on continue, on commence à maîtriser. Mais bon, je pense qu'en termes d'achat, je vais prioriser Loupeit. Loupeit, on va encore le pousser vendredi à Louis. Attention, parce qu'il a des défauts, apparemment. Les boucles sont pas trop longues, etc. Donc, il faut quand même qu'on le pousse un petit peu. Là, on revient au début. Après avoir traversé la forêt aussi belle que dangereuse, vous revenez à votre point de départ. Ok. Le garde que vous avez rencontré auparavant apparaît brusquement devant vous. Ha ! Vous avez trouvé le chemin du retour, à ce que je vois. La voix du garde est enjouée tandis qu'il vérifie votre progression sur la carte. Bah si, moi je voulais visiter toutes les cases, mais je suis tombé là au pif en fait. Le garde jette un coup d'œil à votre carte et brise le silence d'une voix sévère. Cette carte n'est pas complète ! C'est Louis le garde en fait. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, Louis. D'ailleurs, tu apprendras que dans Etrienne Odyssée 2, c'est pas une infirmière, c'est pas une doctoresse, c'est un docteur. Mais tu n'étais pas encore arrivé. Je ne peux pas vous laisser passer. Vous devez retourner en arrière et finir de cartographier les sentiers de la forêt. Ah, voilà, Louis, tu vois. Bon, on va partir, d'après notre carte, nous allons partir sur la gauche maintenant. On n'a pas besoin de partir par là pour l'instant. Ah bon? Bah moi j'en sais rien que l'entrée du labyrinthe c'est pas là-bas. Alors que dit la carte? Ah! Parce qu'on a trouvé un gros cul-de-sac là-bas. Je sais pas où est-ce qu'on pourrait aller. Peut-être plus bas en D4. Allez. Et c'est là qu'on va se faire maraver. Il me semblait que j'avais un nectar. C'est bizarre pour ressusciter le Kabuki. Kiminodo aussi est tombé au combat. Là où j'ai mis les croix, j'ai pas tout visité. Ah bon? De toute façon, on va se faire démonter la tronche et ça va être la fin du stream. Bah non, il veut pas qu'on reparte, le gars. Il me semble qu'il veut pas qu'on reparte. Hein. Même s'il me semble qu'on l'avait fait dans le 1, non? Je sais plus. On va regarder si on fait menu. Si on arrive à sortir de ce combat démoniaque. Allez, Sonia et Rayleigh, on compte sur vous. Mais je pense que c'est la fin du game. Défense. Ouais, je sais pas pourquoi je me suis mis en défense. Bon. Histoire de m'en prendre une gratos. Au fait, je remercie encore pour la recommandation de Burukun TV. Ah, ça fait plaisir, Emor. Tu sais, je connais plein de petits streamers comme ça, cachés dans l'ombre. Il y a Pseudoin aussi. Enfin, il y en a quelques-uns. Le quoi que je vous ai fait découvrir. Game over. 8h30, Gunther s'en va, on est en game over. Parfait. Parfait, les amis. Quand les 7 mers engloutirent les civilisations d'immenses forêts prirent possession des 5 dernières îles. Fallait pas que je parte trop tard, t'as bien aidé. Bon, bah nickel. On se retrouve à 12h30, les amis. Hein. Prenez note sur vos agendas. On se fait Etrienne au 17-3. Ça sera le même délire. Hein. On va faire une équipe, essayer de faire une carte et crever.
Et puis après 17h30, Dordogne, bien sûr. Dordogne, le jeu français qui sort aujourd'hui, les amis. Aujourd'hui. Et qui sera normalement fin de journée sur le Game Pass en gratos d'ailleurs. J'avais acheté plein de médicales, oui, mais j'ai tout cramé au début. J'ai tout cramé au début. Il est un petit peu difficile. Voilà, un petit peu difficile, ouais. Mais on est en normal en même temps. Dordogne, ouais, venez, hein, parce que, waouh. L'aquarelle, la nostalgie, les années 80, mais aussi les années 2023. La petite musique, les cigales, enfin, la Dordogne, quoi. Et puis peut-être que les devs passeront, vu que c'est des Français, que j'ai mis la max sur Twitter, je les ai tagués à mort et tout. On sait jamais. Peut-être que. Alors on envoie l'intro Kabuki, bien sûr, le syndrome Kabuki. Je sais que ça vous a manqué. On peut mettre le club Kabuki, mais il n'est pas encore prêt le morceau, il est un petit peu. J'en suis pas complètement satisfait. Et chez qui on va partir du coup ? En train de regarder. Il n'y a pas beaucoup de gens qui stream ce matin. C'est bizarre. Si vous avez une suggestion, je suis preneur. Parce que là, dans ma hostlist, il n'y a personne. Et dans les gens que je suis, il n'y a pas grand monde. Les streamers préparent un sale coup, c'est pour ça qu'ils ne streament pas. J'ai l'impression, Louis. Sinon, on va se laisser là tranquille, hein, s'il n'y a pas de suggestion. On se fait le petit syndrome Kabuki en entier, ça change. Et puis on se retrouve à midi et demi. Et puis moi, après, j'enchaîne sur le taf. Et la petite miniature pour YouTube, bien sûr. Des bisous, des checks. J'envoie le syndrome Kabuki. Si entre-temps, vous avez une idée, on fera le raid en sauvage. Et sinon, rendez-vous à 12h30. Bye bye. Merci à vous d'avoir été là, surtout Louis. Paparagui, je suis passé du côté obscur. J'ai acheté une Switch et je suis tombé dingue de Zelda. T'es content? Ah, bah cool. Ah, t'arrives au dernier moment, Paparagui. Papiragui. Eh ben, bienvenue au club. Allez. Une petite dédicace à toi. PS, c'est rageux. J'avais deviné. Je sais pas pourquoi. Je l'avais senti. Eh ben écoute, on viendra foutre le bordel sur tes streams, rageux. Maintenant que t'as une Switch. L'influence à tous les étages. Allez, je vous laisse. Merci d'avoir été là, papy. Et puis, du coup, t'as changé de... Ou alors t'as un deuxième compte. On verra. Papy Ragui, j'aurais dû me douter, mais je sais pas. J'ai senti le truc, là. J'ai dit, tiens, je le connais, lui, mais je le connais pas. Mais en fait, il me connaît. C'était rageux. Rageux, n'hésitez pas à aller le voir, hein. Il stream du rétro maintenant, il fait aussi du PC. C'est comme ça que je l'ai connu. Rageux, c'est le premier gars que j'ai connu. J'étais dans mes tout débuts de stream. Et j'ai débarqué sur sa chaîne un matin et je suis tombé amoureux, entre guillemets. Une grande amitié. E-amitié a démarré. Et voilà, je kiffe ce qu'il fait. Toujours avec passion. Bref, c'était le petit clin d'œil. On s'envoie le syndrome Kabuki en entier, s'il vous plaît. Bye bye, rendez-vous à midi et demi, puis 17h30. Cœur sur vous. La mâchoire est crispée, le regard fixe, les gestes saccadés. Les symptômes sont clairs, le diagnostic sans appel. Ces enfants sont atteints d'un mal très contemporain, la passion des jeux vidéo. Le syndrome de Kabuki a été décrit par Noruo Nikawa en 1981 au Japon. Une personne sur 32 000. Le nom du syndrome a été donné en référence au kabu, le fameux kabuki au Japon. Kabuki au Japon. Quel âge donneriez-vous à ce jeune homme? Le fameux kabuki. Ce syndrome n'est pas forcément étrange en soi. Étrange en soi. Au Japon. Mon père, lui, reste indifférent, mais ma mère, elle en a un peu ras-le-bol. Parce que ça fait beaucoup de bruit.
le fameux kabuki. Avant de vous l'expliquer, quel âge donneriez-vous à ce jeune homme? Le fameux kabuki. C'est le nombre de symptômes que comporte le trouble qui est impressionnant. Impressionnant. Étrange en soi. En effet, les personnes atteintes du syndrome de kabuki ont... Quand on commence à perdre, le niveau de vie commence à baisser, alors ça, l'angoisse monte un peu plus, alors il faut toujours à chaque fois tuer un autre ennemi pour essayer d'avoir un point de vie. Il y a toujours ce même truc qui se répète, parce que quand on arrive à un point de vie, on va essayer, on va mourir, et il faut continuer, il faut aller plus vite, il faut aller... Impressionnant. C'est assez angoissant, oui. Angoissant. C'est assez angoissant, oui. Ce syndrome n'est pas forcément étrange en soi. Étrange en soi. C'est assez angoissant, oui. Au Japon. Le fameux kabuki. Impressionnant. Il aime beaucoup jouer ces jeux vidéo, et je lui dis avec modération. Comme tout, parce que sinon ça prend des proportions après qui dépassent un petit peu l'entendement. Le fameux kabuki. Au Japon. Japonais. Étrange en soi. Le fameux kabuki. Alors, si certains adultes s'inquiètent autant de ce phénomène, ne serait-ce pas en réalité de peur d'être surpassé? Au Japon.